Il a pas eu peur de moi, comment ça se fait qu'il a eu peur de toi? Bah parce que toi t'es pas imposant. Moi je suis pas imposant. Bah non, parce que regarde, tu te balades avec un nain. Ok. Donc alors, les gens... alors là, le marguillon, il va tout de suite se détendre. Donc les gens, ils font la moyenne. Non, moi, j'y botte le cul en 2-3 mouvements. Ils font la moyenne, les gens, alors tu vois, c'est niveau normal. Monsieur qui se balade avec des arbalètes humaines dans les mains, il ferait mieux de la croiser, hein. Ouais, exactement. Compagnie, il a dit. Ah non, elle a pas de moustache, elle est moche. Aucun bout de gras à pincer. Moi j'aime bien les tatous, elle a des jolis elle tatous. Va au bar. Elle va au bar. Voilà. Et elle commande un verre d'alcool fort. Moi je m'assois à côté. Moi je bois une bière. Ah le gros lourd. Ta gueule, t'as vu la diplomatie que t'as toi? Ouais, au moins je propose un massage. Elle te jette un regard, te dévisage du haut en bas. Et retourne boire son verre. Et j'y fais hey, vous avez des jolis tatous, vous avez vu, moi aussi j'en ai. Vous avez fait vous-même? Non, ça c'est la tribu qui les fait. Le burn, quoi. Ah. D'où venez-vous hein? Moi je viens des montagnes. Au nord. Et vous? Vous venez de d'où? L'est. Je viens tout, de l'est. C'est grand l'est. N'est-ce pas? Vous aussi, vous êtes assez grand. Vous êtes un géant? Ouais. Non, je suis un Goliath. Un Goliath? Jamais entendu parler. Hein. C'est très fort, les Goliaths. Ça compte toujours les ennemis que j'ai abattus. Oh, et vous en avez abattu beaucoup, hein? Ouais, c'est toujours moi qui en abat le plus. Ah. Et sauf cette fois, parce que c'était des loups-garous qui avaient triché. Des loups-garous? Ouais, ils trichaient les loups-garous. Vous avez vu des loups-garous? Ouais, il y en avait avant, ils sont partis. Mais ils trichaient, hein. Tu les tapes dessus, après ça se referme. C'est de la triche. Ouais. Prenez des armes en argent, hein. Ça aide beaucoup contre les loups-garous. Du coup, je crie à la tonnelière une bière pour le nain. Une énorme bière pour le nain, et toi? Merci, compagnon. Fendra tête de tigre, c'est ça votre nom? Je me l'appelle plus très bien. Qui ça, moi? Felindra, quelque chose comme ça. Vandral. 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 Winterspring. Pardon d'avoir écorché votre nom. Très bien. De toute façon, si le loup-garou vous attaque, c'est que vous avez dû faire quelque chose de mal à la forêt. Ah non, moi je ferai jamais du mal à la forêt. Étonnant, hein. D'ailleurs, vous voyez, moi, j'ai pas de chaussures et je suis quelqu'un très proche de la forêt tout le temps. Et peut-être vous êtes associé avec des malfaiteurs de la forêt. Peut-être le nain là-bas. Hein? Peut-être qu'il a, je sais pas. Moi, je les connais pas. Hein. D'accord. Ah, quoi comme travail? Je sais pas, il faut demander à Madame Vertefeuille là. Vertefeuille? Ouais, je sais plus qu'est-ce qu'elle a dit. Une elfe avec habillé tout en madame je suis sexy qui sort son petit ventre plat. Hein. Je sais pas, je me rappelle plus. Comment elle s'appelle? J'ai l'impression d'en avoir dit trop donc quand j'ai cette impression, je me rappelle plus rien. Je sais pas, j'ai oublié. Ah bah y'a pas de... Bon, merci ah bah. Hein. Allez, bonne soirée. Moi je retourne vers le nain pour boire une bière. Si vous associez avec les elfes déchus... Ouais, au revoir, hein, bonne soirée. Je m'asseye à la table. Je crois que j'ai dit trop des détails. Pourquoi? Elle te plaît pas la mignonne là-bas? Si, justement, mais après elle avait des jolis tatous et j'ai parlé trop des détails. Elle avait quoi comme tatou? Bah les mêmes que les miens, mais en plus féminin. Ah. Et je dis trop des détails, c'est ça qui est pas bien. Moi, il faudra que je... Sur quoi? Les trop bah, détails, je dis un peu ce qu'on fait, et puis le nom de la dame, puis elle réagit, le nom de la dame, mais ça me plaît pas.
Après, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dit que j'ai oublié, mais je suis pas sûr qu'elle m'a cru. Ah. Elle la connaît? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a dit à son sujet? Elle a dit que c'était une ventre plat. C'est tout? Une ventre plat. Ouais, je me souviens pas. Elle est un peu trop maigrichonne. Ouais. Et ouais. Elle a dit que... Ah ouais, elle a dit que peut-être que nous, on était avec des gens méchants qui aimaient pas la forêt. Si ça, c'est le cas, eh ben moi, je vais taper tout le monde qui aime pas la forêt. Ça, je te fais confiance. Il y a la serveuse qui arrive. Elle vous sert trois verres d'alcool fort. Je me retourne vers la serveuse. Moi, j'ai encore mon fichier. Je me retourne vers la serveuse et je lui fais « Eh, vous aimez la forêt ?» Bien sûr, on habite la forêt. Comment je pourrais pas aimer la forêt? Ah ben ça c'est bien alors, tenez, prenez un pourboire. J'y donne... c'est combien? J'aime pas la forêt, il lui casse la gueule. C'est ça, c'est à peu près ça. C'est offert par la... C'est tourné, elle est offert par la dame. Je me tourne vers la dame en question et je lève mon pichet de bière. Bien aimable, voyageuse. À votre santé, hein. Après, je me déplacerai avec mon pichet de bière. Je laisse mon verre sur la table. Parce que de toute façon, moi, je préfère la bière. Vous n'avez pas peur de voyager toute seule? Ben, c'est plutôt à vous qu'il faut poser la question, hein. Maître Nain, qui voyage en terre d'elfes. Oh, mais je suis bien accompagné. Je suis là sur demande. Donc, je ne me fais pas trop de soucis. Mais je vois, oui, vous avez un druide comme ami. Voilà, entre autres. Mais je me posais la question de savoir qu'est-ce que vous faisiez à des heures si tardives. Mais je me demandais si vous n'aviez pas trop peur, justement, de vous promener comme ça seul la nuit alors que des loups-garous traînent partout. Ah bah c'est pour ça que je suis content d'avoir trouvé cette taverne. Mais je vois qu'elle a déjà subi. Il y a de fortes traces de combat et de brûlures. Je me demande ce qui s'est passé ici. Oh, on a fait un petit pique-nique, mais apparemment nos hôtes n'étaient pas, nos invités n'étaient pas en appétit. Ils ont préféré filer après qu'on leur ait fait goûter à nos épées et nos haches et nos flèches et nos fourchettes. Mais vous avez des armes en argent, hein. Et nous avons de l'argent. Des armes en argent, je peux vous en vendre. Vous avez ça, vous? Écoutez, ça se pourrait, ouais. Je suis marchande, alors. MJ. Ah ben voilà! C'est ça que je voulais entendre. Oui. Elle veut t'aider? Toi, t'es occupé à faire des massages. Justement. Oui, fais-moi, continue. Fais des jets de charisme. Oh! Ça, c'est une réussite critique. C'est parti très fort, c'est parti très fort. Elle veut baiser? Ah, bon, écoute, elle est pas contre. Bon, ben, je vais prendre mon pied. Ok, moi, je demande à la vendeuse, la marchande, là, vous avez pas des genres... Les trucs qu'on met là avec les pointes sur les points là pour mais en argent. Un casque. Mon compagnon aimerait qu'on lui donne de quoi enrober ses points d'avant. Ouais, pour exactement, enrobé avec des trucs qui font mal. Ah. En argent. Qu'est-ce que j'ai en argent? Laissez-moi regarder. Je comprenais pas, Fred. J'ai compris. J'ai des têtes de Morgenstern. Des têtes de Morgenstern. Ah. Et puis, on peut les mettre des sur les points. Écoutez, vous voulez porter dans vos points, ouais. Ah, qui vous fabrique ça? Pardon? Qui fabrique ça? Oh, ça vient d'un peu partout, de villes, de... de l'est, du nord, du sud. De partout, quoi. De partout, oui. Mais je pense que si vous faites une petite modification et que vous démanchez la tête, vous pouvez très bien le tenir au bout de votre poing. Ouais.
Combien ça coûte? J'ai un discount pour le manche et la chaîne. Ah non, je vends qu'en entier. Je peux faire customiser hein, si vous voulez, mais ça coûtera en plus. Ouais, je peux m'en occuper. Et puis, je pense pas qu'il y a le matin. J'ai un nain qui est. Le nain, il connaît tout ce qu'il y a. Il connaît je saurais y faire, S'il veut s'en occuper. Ah ouais. 98 pièces d'or. Allez, je vous la fais. 95 pièces d'or. La masse d'armes. J'en prends deux. C'est trop cher. Ah ouais, il a dit que c'est trop cher, Moi, je connais pas les prix, c'est lui qui m'aide tout le temps. Peut-être si vous prenez plus d'un... Si vous prenez plus d'un objet, je peux peut-être vous faire un prix de gros. Hein. Bah justement, deux objets. Qu'est-ce et moi, je suis assez gros aussi. Hein. Si vous pouvez pas me faire un prix de gros à moi, je sais pas à qui vous allez le faire. Hein. Non, un prix de gros, c'est pas pour les gros. C'est pour... C'est-à-dire que si vous prenez... Si vous achetez en gros. J'ai pas compris, mais mon pote Baline, il a dit c'est trop cher. En grande quantité, en grande quantité. C'est trop cher, Baline ? Ça dépend du prix de gros. J'aurais... Le champ du gros. Le champ du gros. LOL 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 Là, moi je connais le champ du gros. Quand je suis tout seul dans les montagnes, je chante. J'aurais une grande hache. J'aurais une hache en argent aussi. Une hache à deux mains. Ah ouais, non mais moi je préfère les trucs plus avec les poings. Tu veux une hache, Baline? Non, je veux pas de hache. Je vais prendre une épée aussi. Une épée en argent? Oui. J'ai une épée courte en argent, ouais. Donc mettez-nous les Morgenstern, une épée en argent. Une épée longue. Épée courte. Vous avez une épée courte. Moi je crois encore j'ai des pièces, je peux payer aussi. J'ai une épée courte, ouais. 115 PO pour la... pour la masse d'armes. Mais j'en ai deux, hein, des masses d'armes. Genre, je voulais... Ah, t'en vaux deux, hein. Non, t'inquiète vous pas, avez on... Non, non, on... Tu la coupes en deux, t'arrives à en faire deux moitiés. Ah ouais, alors... Faire. Ah, parfait. Par contre, je comprends pas pourquoi j'ai que un en forgerie. J'étais sûr d'avoir mis plus, mais ok, d'accord. Écoute, on la peut... La grande lignée des brise-barriques. Non, mais tu peux corriger ça. Hein. Tu peux déplacer des points. Ça me dérange pas. Aïe, aïe, aïe. Maître... Non. Regardez le maître forgeron. Ah Brise-marteau, hein. Moi, j'ai confiance à Baline. Monsieur, j'ai cassé mon enclume. Elle s'est barrée, la miss. Bah écoute, vous avez fini, non? Ah ouais. Bah, je retourne dans la salle, alors. On sait jamais, des fois, il y en a des autres. Bah ouais. Moi, je ris. Et toi, tu forges. C'est très long. Qui c'est que c'est barré? Personne. Il l'a enfermé, il est menotté au lit. Ouais. Avec un sort de bourrasque, hein. Je l'ai cloué au lit. Un des lianes. Avec des lianes. Non, t'as ouvert la porte là. J'ose sortir. Oui, oui. J'ose revenir. Oui. Hey, ça va? Je me gratte le sac et puis je m'asseye. C'est ma place. Ta gueule. Donc je te file 80 PO. Ok, Baline. Well, ouais, moi aussi file-moi 80 PO. Non. Seulement, Baline, c'est mon pote qui s'occupe de l'argent. Moi aussi je m'occupe de ton argent. Non. Tu veux quand même pas donner ton argent à un nain? Non. C'est pas un nain, c'est un ami. C'est un ami. Il te rendra jamais. c'est un ami à moi. Alors, demande à l'elfe. Voilà. Demande à l'elfe ce qu'il en pense. Jamais. Je fais confiance à Baline. T'as vu? Bon, vous voulez acheter les armes? Ouais. Regarde, Rémi, si tu veux acheter des boîtes de flèches en argent pour tes arbalètes.
Nous avons une dame ici qui fait des affaires. Mais moi, les loups-garous, ils ont peur de moi, alors que je m'en fous un peu. Comme tu veux. Mais en attendant, t'as quand même dû dépenser des pièces d'argent, hein. Ouais, bah, je ferai de la monnaie. Pour la baliste, tu vas lancer quoi? C'est une jolie arbalète que vous avez, hein. Deux. Deux. Elle est bonne. Deux chevaux. Ouais, elle est pas mal. Bonjour. Il y a des super tatouages. Bah, t'as pas vu la photo, là? Si, si, j'ai vu la photo. Il y a un lien. Mais je voulais ton avis. Si, si, j'ai vu. Mon avis. elle a ce côté un peu glacial. Un peu mystique. Dans le regard et tout. Mais sinon, physiquement, elle est... mystique. Elle a ce côté mystique. Aventure côté mystique. Ça, je l'avais vu, le côté mystique, moi. Un peu mystique aventure. Un peu mystique aventure. T'as aimé l'action aussi. Écoute, il pourrait avoir de l'action, ouais. Ou de l'horreur. Pas de politique, j'espère. On a un côté très jovial. Fais-lui des blagues. Bon. Ah, bonjour. Baline. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de me forger quelques pointes de flèche en... Oh bon, là, je fais mieux de les acheter, déjà préparées, on va pas s'emmerder. Combien ces pointes de flèche, hein? Est-ce que vous avez des carreaux en argent? Des carreaux, hein? Oui, j'ai des carreaux, oui. En argent. Pourquoi comme type d'arbalète? Légère, à répétition, bien sûr. Légère à répétition. Elfique ou naine? Humaine. Humain. Oh là là. Déjà, elfique, c'est l'arbalète pas très bien. L'arbalète légère à répétition. Ça a des ratés, mais alors, les arbalètes humaines, pardonnez-moi, c'est un coup à se foutre le feu tout seul, ça. Tu veux qu'on en parle? Non. Ça ne m'intéresse pas, les arbalètes humaines. Bon, la bonne oui. Blague. Je peux vous en vendre 25 pour 15 pièces d'or. Je peux payer en nature? Non, en pièces. Je fais des très bons massages. Écoutez, je suis sûr que vous trouverez chaussures à votre pied, mais pas avec moi. D'accord. Qu'est-ce que vous avez dit? 25 pour 5 pièces d'or. Ah, 25 carreaux. Ouais, je mettrai ça sur la facture. Quelle facture? Bah, de la dame qui m'emploie. Ah! Qui ça? Moi je me rappelle plus. Et toi aussi tu te rappelles plus, hein? La dame là. Tu sais, la dame. Avec la dame qui est là. La tavernière? Non, l'elfe. Une elfe? Ah, comment vous aviez dit qu'il s'appelait, mon cher ami Goliath? Moi, je m'en rappelle plus. Vertefeuille. Vertefeuille, oui. Merde. Ouais, un truc du genre, ouais. Bon, elle sort les armes du sac, elle empoche votre argent, sort d'un sac sans fond les diverses armes en argent. Alors ça a les mêmes caractéristiques qu'une arme normale, sauf que ça fait moins 1 aux dégâts. Mais, évidemment, c'est très efficace contre les lycanthropes. Elle me doit 315 PO maintenant. Et qu'est-ce qu'elle vous a demandé de faire, Vertefeuille? D'une escorte, pourquoi? Vous voulez nous aider? Moi, je partage pas mon butin, hein. Je travaille pas avec les envahisseurs. Les envahisseurs. Bah ouais, quoi. Les nains. Les elfes. Les elfes envahisseurs. Bah, écoutez, quand... Ils ont rien trouvé mieux que s'allier avec des sorciers corrompus d'un autre plan. Et là, tout ce qu'ils cherchent à faire,
c'est de restaurer un des anciens portails elfiques pour déferler avec votre armée. Alors à votre place... Avec notre armée ? Moi je bosse avec leur armée. Hein ? Alors avec votre, à votre place... Puis même où ce portail ? Ah bah ça, si je savais, j'irais le... Si ça, lequel... Bah écoutez, on sait pas. Il faut en trouver... Il y en a probablement dans chacune des ruines elfes de la forêt. Puis il y a des espèces de serpents bleus qu'il faut se battre sur le chemin. Écoutez, je sais pas. D'accord. Peut-être, oui. Pourquoi vous dites ça? Je sais pas. Ils ont dessiné un truc et puis il y a des serpents bleus sur le chemin. Je me demandais. C'était ça. Bon, j'aurais pas pensé que vous serez de leur... J'aurais pas pensé que vous serez de son côté. Pourquoi? Mais on est du côté de la forêt. Vous êtes du côté de la forêt, hein? Bah, je sais pas. Alors, si vous êtes du côté de la forêt, il faut pas être du côté de Vertefeuille, hein. Y a pas plus déchu comme druide, hein. On nous a quand même dit que la forêt ne fleurissait pas, ne verdissait pas. Hein? Et qu'il y a un mal étrange la rongeait. Qui c'est qui veut du mal à la forêt? Et qu'on pouvait apprendre à forger comme les gens du coin. Bah, je vous ai dit que des sorciers maléfiques préparer leur arrivée. Les signes sont là, hein. Alors ouais. C'est qui qu'il faut aider? Mais si vous me payez plus, moi je veux bien vous aider, hein. C'est qui qu'il faut aider? Bah oui, moi je veux bien vous payer pour que vous suiviez Vertefeuille que vous me rapportiez où est ce fameux portail. Fandral, toi tu la connais la Vertefeuille? Non, je ne la connais pas. Enfin, je la connais, MJ, ou pas? C'est quoi les... Hein? C'est quoi les druides déchus? Je demande à Fandral. Je demande à Fandral. Les druides déchus, ce sont ceux qui ont... Qui ont renié leur lien avec la nature. Voilà, exactement. Qui ont renié leur lien avec la nature. Ils sont où? Quoi, ils sont où? Ils sont dans la forêt, ils ont réduit... Ok, pour 600 PO, je le fais. On va les taper! Ok. Si vous me... Vous me donnez 300 à l'avance. Si vous arrivez à me trouver le lieu, à trouver où est ce portail... Et comment vous pouvez prétendre qu'elle est une druide déchue? Vous me donnez 300 en avance et puis ensuite les autres 300 quand je vous retrouve, je vous ramène le portail. Ça marche. Dans ton chariot. Et c'est le même prix pour tout le monde. D'accord. Mais comment vous savez qu'elle est déchue, l'autre? Écoutez, les signes ne trompent pas. Ah, la dernière nouvelle que j'ai entendue, les loups-garous gardiens de la forêt essaient de lui faire la peau. Ouais. Ouais, mais elle a dit qu'ils avaient des problèmes, les loups-garous. Ah bah ouais, c'est facile, ça, comme excuse. Hein. Ouais, mais vous aussi, c'est facile. Moi, je sais plus qui croire, maintenant. C'est quoi votre nom, encore? Est-ce que j'ai dit mon nom? Bah non, mais faudrait que je sache pour qui je dois ramener le portail. Tout à fait. Eleanor Rinsley. Allez simplement à la capitale. Si vous avez des nouvelles, allez à la capitale. On vous contactera. La capitale, c'est tout des bâtiments en pierre. Ça a rien à voir avec la forêt. La capitale. Oh, moi je suis pas de la forêt, hein. J'ai jamais prétendu ça. Ah bah alors comment vous savez ce qui se passe? C'est vous qui êtes une menteuse alors. J'ai beaucoup de contacts. Moi aussi j'aime bien le contact. Avec la forêt. Moi je suis très contact. Et qui c'est qui vous a fait prétendre, qui c'est qui vous a dit qu'elle était déchue? À part les signes, hein, bien évidemment. Les canards blancs. Moi j'ai discuté avec des signes une fois sur la lac. Je me balade beaucoup de ville en ville, je rencontre beaucoup de gens, hein. Les gens disent beaucoup de gens, oui, beaucoup de choses. Puis vous avez vu des serpents bleus, hein. Mais si j'étais vous, moi je quitterais la région, parce qu'à mon avis, ils sont prêts à faire leur attaque, mais votre courage vous honore, et puis
Je suis prêt à vous payer grassement. Hein. Je suis aussi prêt à vous offrir certains objets magiques de ma réserve si vous arrivez à m'aider à empêcher cette invasion. Parce que pour moi, pour les affaires, c'est pas une bonne affaire, c'est pas des bonnes affaires. Si, tout. Mais vous avez pas le sens des affaires, la guerre c'est toujours bien pour les affaires. Moi je comprends plus rien. Je m'assois par terre. La guerre c'est bien, mais quand elle est plus loin, quand elle est trop proche, c'est pas bon, vous voyez. Ouais, moi aussi je garde mes distances, c'est pour ça que j'ai des arbalètes. Exactement. Exactement. Moi je m'assois par terre, je les garde les bras et je dis plus rien. Du coup, je lui demande ces lapins des flèches. Vous voulez vérifier mes dires ? Vous voulez vérifier mes dires ? Les elfes ont des objets magiques remplis les tombeaux. Ils ont rempli les anciennes cités avec des anciennes magiques, des objets magiques prêts pour armer les troupes qui vont débarquer. Ils ont préparé des caches d'armes. Vous n'avez qu'à les trouver et vous verrez que je dis la vérité. Le problème, moi, je suis pas de la forêt. Vous êtes de la forêt. Moi, si je vais là-dedans, les loups-garous, les rôdeurs, les elfes, ils vont m'attaquer. Hein. Mais vous êtes des gens de la forêt. Vous pouvez aller. Et vous allez qu'à vérifier. Et vous verrez bien si les fêtes disent la vérité ou disent pas la vérité. Puis elles sont où ces caches d'armes ? Je m'en fiche. Hein. Moi, je la crois pas. Hein ? Puis indiquez-nous où elles se trouvent ces caches d'armes. Je sais pas où elles sont exactement, mais je sais qu'elles sont dans les anciennes cités, elfiques qui abondaient à Glaronde. À côté du portail. Je sais où il y en a une. Tenez, je vous donne une carte et je vous montre. Oh putain. Ah, c'est gentil ça. Moi je la crois pas, la dame. Qu'est-ce que t'en dis, Baline ? Tu la crois, la dame ? Moi je veux bien la croire. Regardez là, il y a des serpents bleus. Écoutez, si vous trouvez quelque chose, on fait 50-50. Gardez. Sur quoi ? Là, il y a des serpents. Des objets magiques. Non, on récupère les objets magiques et on vous les revend. Non, j'en veux la moitié. 70% pour nous, 30% pour vous. On prend quand même tous les risques. Non, on prend tous les objets, je crois. 60-40. 65, 40 ou 35. C'est mon dernier prix. 65, 40, 35. 65, 45, ça me va. 65, 35. 65, 35, il a dit. 65, 35, oui. Oui. D'accord, ça me va. Mais c'est qui prend 65 ? Nous. Bah évidemment. Moi, je fais pas confiance. Bah, si on trouve des armes, on les ramène et puis on les revend. Puis c'est où ça ? Puis c'est où sur la. Sur cette carte, hein ? C'est ici. Ah bah, c'est tout près du serpent blanc, bleu. Arrête avec tes serpents, c'est des rivières, pauvre bougre. Des quoi ? Des rivières. Et c'est lui le rôdeur, tu sais. Pourquoi il y aurait des rivières ? Elle est mal marrée, je te jure. Qu'est-ce que tu dis ? Mais ça fait pas ça, pourquoi tu mettrais des rivières là ? Parce qu'il y a des rivières dans la forêt. Parce que c'est la nature. Mais où est-ce qu'il y a une forêt ? Contente-toi de faire le mercenaire et ferme-la. Et même moi, je comprends le concept d'une carte. C'est où qu'il y a une forêt ? On est dedans la forêt. Mais non, on est à côté. Ferme-la. Ça, c'est une représentation. Regarde, ça c'est une représentation d'œil d'aigle. De quoi ? Un œil d'aigle. T'as jamais imaginé un œil d'aigle ? Pourquoi je devrais avoir un œil d'aigle ? Bah parce que l'œil d'aigle il est dans le ciel. Et quand il regarde la forêt, c'est ça qu'il voit. L'œil d'aigle. Mais il voit des arbres aussi. Ah mais il comprend rien lui, c'est pas vrai. Bah, faut pas lui parler. Non. Écoutez, je crois que celui-ci il a un esprit égaré. Ah, vous pouvez le dire. Il est un peu confus, hein. Ouais. Et pour le fût, je suis pas sûr. Mais alors, on va se battre. T'as fait déjà une combo pour l'attaque en argent. Oui, je teste ce que j'ai fait.
Moi j'ai encore besoin de les modifier, je peux pas attaquer avec comme ça. Bon, je pourrais utiliser. Je peux utiliser des armes, non? C'est pas un problème. Oui, bien sûr, oui, pas de problème. Ok. T'as maniement des armes, sauf. Ouais. Oui. MJ, est-ce qu'elle vend par hasard des flèches d'argent par hasard? Oui, c'est possible, oui. Vous savez, les armes avec les loups-garous qui rôdent, l'arme en argent, ça se vend très bien, alors j'en ai toujours. Et par hasard, vous avez des flèches? Oui, j'en ai, oui. Rémi. Vous en prendrez volontiers. Ah, pardon. Oui. Alors. Rémi, t'es un ami des loups-garous, toi? Va. T'es un ami des loups-garous, toi? Pourquoi? Bah, je sais pas, parce qu'avant, il te regardait et t'as pas attaqué. Mais c'est parce qu'il a peur. Ah. Je suis comme ça imposant, tu sais. Mais il a pas peur de moi. Je suis là avec mes arbalètes, puis je fais. Puis le gars, il fait. Puis du coup, il a peur. Mais il a pas eu peur de moi, comment ça se fait qu'il a eu peur de toi? Bah parce que toi, t'es pas imposant. Moi, je suis pas imposant! Bah non, parce que regarde, tu te balades avec un nain. Ok? Donc alors, les gens... là, le margouillon, il va tout de suite se détendre. Donc hein. Les gens, ils font la moyenne. Non, moi, j'y botte le cul en 2-3 mouvements. Hein. Ils font la moyenne, les gens, alors tu vois, c'est nouveau normal. Monsieur qui se balade avec des arbalètes humaines dans les mains, il ferait mieux de se la coincer, hein. Ouais, exactement. Compagnie, il a dit. Toi, tu sais même pas ce que c'est une arbalète. M'en fous, c'est comme il a dit, le Baline. Tous des abrutis. Amis de loup-garou. Ouais, bah... Bon, bon. Moi, je me réfère pas à des bouts de papier pour aller quelque part, quoi. Il a pas compris la carte, c'est incroyable. Ce fut un plaisir, messieurs. Je vous souhaite une excellente nuit. Il laisse tomber. Je vous souhaite une excellente nuit.